Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Je suis en Master 2 Management International à la Fac du Havre. Et donc on est là pour assister aux conférences à la journée de l'économie positive. Les entrepreneurs, quasiment au sens schumpeterien du terme, sont des gens qui sont capables de repenser, de transformer des systèmes. Le problème, il vient de notre système économique, donc il faut changer le système économique. Et pour ça, il faut parler aux acteurs économiques avec leurs mots. Comment est-ce que cette initiative que je vais prendre en économie positive, elle va permettre d'augmenter ma part de marché, de réduire mes coûts, de mobiliser mes collaborateurs, de massifier mes ventes. Je suis hyper optimiste. Quand j'ai démarré en 98, les termes d'environnement, développement durable, commerce équitable, c'était que pour les hippies, on disait. Aujourd'hui, c'est dans toutes les grandes entreprises. Donc il y a déjà eu une révolution énorme et ça va continuer. Et la nouvelle génération, elle vit avec ça à l'intérieur d'elle. J'ai vraiment confiance dans le fait que les nouveaux ressorts, ça va être autour de cette économie positive, la réduction des déchets. Ce fils de pépin, le bref, nous donne beaucoup d'ennui. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Chaque citoyen doit devenir un acteur de la limitation des énergies fossiles. N'attendez pas que papa Hollande ou papa Obama nous dise ce qu'il faut faire. Nos générations précédentes ont consommé la terre avec avidité. Donc aujourd'hui, on a pris conscience qu'effectivement, on ne pouvait plus continuer à ce rythme-là. Donc l'inflexion de changement de comportement est en cours. Je pense que c'est vraiment un secteur qui va tendre à se développer, notamment avec la crise. Et donc, il y aura forcément plus d'entreprises qui auront des buts sociétals. Que de travail, sacré Charlemagne. De même que aujourd'hui, c'est complètement has-been d'avoir un manteau en vraie fourrure. Bientôt, ça sera complètement has-been aussi de prendre l'avion juste pour un week-end ou de prendre sa grosse voiture pour faire un kilomètre. C'est des tendances de société qui vont évoluer complètement. Je vois, en 14 ans, ça a évolué déjà extrêmement fortement et ça s'accélère. Donc, il n'y a pas de raison. Ouais. Moi, j'ai vraiment confiance.